what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je viens de monter, je vais ranger mon linge. On est mercredi aujourd'hui, il est 10h30 passé, j'ai déjà bien avancé ce matin. Il y en a une qui dort là, je me demandais ce que c'était qui bougeait, en fait c'est Luna, elle dort sur le sac à Angel, le sac de cours d'Angel. Oui, donc je disais, j'ai déjà bien en avancé ce matin, j'ai fait un, alors logiquement aujourd'hui au niveau du blessing c'est nettoyage des sols, mais comme Greg va faire les travaux, j'ai donné un bon coup d'aspirateur, mais je laverai sûrement voilà quand ça sera fini. Ça sert à rien parce que là il va couper le placo, il va m'en mettre partout et tout et tout, donc voilà, je vais ranger mon linge et puis je vais aller monter la vidéo, ensuite répondre à vos commentaires et ensuite je vais faire le repas. C'est bœuf stroganoff cet après-midi, un one pot façon bœuf stroganoff. Et ce soir, je vais faire un pain de viande qu'on mangera sûrement froid, je pense. Il fait pas très beau encore une fois aujourd'hui, mais logiquement, j'ai bon espoir parce qu'ils annoncent du beau temps pour la fin de la semaine. J'ai complètement zappé, aujourd'hui on était le 14 juillet. Et j'ai complètement zappé qu'aujourd'hui on était le 14 juillet, que c'était férié en France. En fait, Greg travaille en Belgique, donc du coup, eux, c'est le 21, la fête nationale, donc ils travaillent aujourd'hui, Quentin, c'est la même chose. Et je me suis dit, moi, je vais aller chercher les fruits et légumes aujourd'hui, je vais aller à grands frais. Mais en fait, c'est fermé aujourd'hui. Donc, je vais aviser. Kim s'est fait avoir aussi, parce que le petit a attrapé un petit rhume, donc elle voulait aller chercher, vous voyez, les suppôts, le coqueluche d'ail. Pour lui en mettre tout de suite avant que ça s'encombre un petit peu. Et en fait, quand elle est arrivée devant la pharmacie, c'était fermé. Elle me fait « Maman, c'est fermé, c'est pas normal !» Bah, en fait, si, c'est normal, on est le 14. Voilà. Alors, nous, tout a été annulé. Il y avait un feu d'artifice, logiquement, de prévu hier soir. Bon, on n'aurait pas été parce que Greg commençait ce matin à 5h. Mais, ouais, donc ça a été annulé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des festivités qui continuent quand même, puisqu'il y a des chanteurs, des trucs comme ça qui viennent. Mais vu le temps et vu le monde qu'il y aura, à mon avis, ça, on n'ira pas quoi en fait. Allez, je vais ranger mon linge, je vais descendre, je vais aller répondre à vos commentaires, mettre la vidéo d'hier en ligne et ensuite je vais commencer le one pot. On va manger, du coup j'ai fait mon one pot stroganoff. On a un petit bébé grognon ce matin, à mon avis il doit faire des dents et il n'arrive pas à trouver son sommeil, il arrête pas de le chouiner. C'est pour ça que j'ai pas filmé beaucoup, parce que du coup voilà, on essayait de le calmer, mais dès qu'on veut le mettre couché il dort, il ronchonne quoi en fait, il pleure. Alors que c'est très rare de lui, hein, mais là, hein, c'est pas trop bien aujourd'hui. Il y a les vilaines dents qui font des siennes. Bon, mais en tout cas, moi j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne. Je vais pouvoir me consacrer à Greg cet après-midi et lui filer un coup de main s'il y a besoin. On va essayer aussi d'aller voir à la pharmacie s'il n'y a pas une pharmacie d'ouverte. Je sais que Auchan est ouvert, donc je me demande si la pharmacie des Auchan ne serait pas ouverte. Donc on ira peut-être voir là jusque-là avec Kim. Ouais, là on va manger et puis ensuite on va réessayer de faire dormir petit Coco qui est mal à ses dents. Vilaine dents. Mamie, elle a gagné. Bébé fait dodo. Bon allez, maintenant je vais rattraper tout ce que j'ai pas fait. Il était le fait qu'il était fatigué et tout, ça arrangeait pas les choses, il avait encore plus de mal à faire à trouver son sommeil. Mais là ça y est, et il fait dodo dans le lit à mamie et à papy. Donc forcément on est mieux dans le lit de papy mamie. Hein. Il y a les bonnes odeurs de papy. T'as pas pété dans le lit? Non mais t'as sué dans le lit. Bon allez. On va ranger, nettoyer, faire la vaisselle. On va préparer le pain de viande pour ce soir, comme vous avez dit, on va le manger froid avec des pommes de terre au four. Et sûrement de la salade. Non, tu peux encore en mettre, hein. Une cuillère à soupe, j'ai dit. Ah, j'ai pris une demi. Je vais vous montrer, je vais vous dire un petit peu. Alors, je vais pas vous faire la fiche recette parce que c'est juste de l'assemblement en fait. Il n'y a pas vraiment de recette en fait. Hein. Donc, en fait, c'est de la viande hachée, porc et bœuf. Moi, je prends un mélange des deux. Là, j'ai 1,3 kg. C'est ça? À peu près, oui. 1,3 kg de viande hachée, porc et bœuf. 250 ml de lait. À peu près 70 g de chapelure. 2 œufs. Une cuillère à soupe. De soupe à l'oignon. Moi, je mets ça au lieu de mettre un oignon. Je trouve que ça donne ce petit goût d'oignon. Mais sans avoir de l'oignon cru.
qu'on a du mal à digérer après. Une cuillère à café de sel, du persil et je vais mettre un peu d'ail en poudre aussi. Et c'est tout, voilà, à peu près une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Et j'aime bien rajouter de la moutarde à l'ancienne aussi dedans, une belle cuillère à café aussi de moutarde à l'ancienne dedans. Ensuite on forme un beau gros, enfin on mélange tout, on forme un beau gros boudin et on fait cuire au four. Alors le temps de cuisson, en fait pour savoir si votre pain de viande est cuit, il faut que quand vous piquez, le jus qui sort, ça soit un jus qui est transparent. Clair, pas un jus rosé. S'il est rosé, c'est qu'il n'est pas encore assez cuit. Au niveau du temps de cuisson, il faut compter au moins 3 quarts d'heure de cuisson pour qu'il soit bien cuit au centre surtout. Après, ça se mange chaud ou froid. Alors quand vous mangez froid, attendez qu'il soit bien froid et on arrive à bien le couper en tranches. C'est très bon aussi. Alors j'ai une version avec du cheddar et puis sur le blog si vous souhaitez. Ça va chérie? Alors, j'ai mon pain de viande qui est cuit, on va le laisser refroidir. Craig, ça y est, il s'est mis au travail. Il s'est réveillé, il a fait une petite sieste quand même. Hein. Et donc ça y est, on va replaquer du coup. Et on gagne mais un bon 3 cm. Alors c'est pas grand chose hein, 3 cm, mais pour la porte c'est énorme. Ça nous permet de l'ouvrir et qu'elle tienne ouverte. Ce qui est bien pratique quand vous passez avec des poubelles ou la poussette ou quoi. Parce que là en fait on n'arrivait pas bien à la mettre droite, vous voyez, quand on l'ouvrait. Et du coup ça mettait une pression aussi sur la plinthe qu'il y avait en bas. Donc là il va faire sa colle. Et après il m'a dit on a 1h30 pour faire pour tout poser avant que la colle soit sèche. Il y a Loulou qui dort encore. Mamie elle a trop bien géré. 4h30, il fait une grosse sieste. Hein ? Moi, je vais donner un coup de main à Greg du coup pour porter. Puis après, on a regardé pour la pharmacie. Je vous avais dit hein, ce matin qu'il me parlait de vouloir aller à la pharmacie quand c'était trop avec la porte fermée. Donc on va aller voir parce que les Auchan sont ouverts et il y a une pharmacie à l'intérieur. Et sur le site, il est écrit qu'elle est ouverte jusqu'à 8h. Donc du coup, on laisse Loulou dormir jusque. Enfin voilà, on va voir si à 5h il n'est pas réveillé. On va le laisser à papy et à tati tonton et puis on va y aller. Là pour l'instant bah, je vais donner un coup de main à Greg et en même temps du coup on va passer à la pharmacie. Et en même temps je vais passer à Auchan parce que en fait comme je vous ai dit je pensais Grand Frais était ouvert aujourd'hui. Ce soir c'est les pommes de terre au four mais je pensais les acheter à Grand Frais. Du coup il faut que je les achète à Auchan. Ça et puis de la salade je pense aussi. Faut que je regarde mais je pense que celle de mon père que j'ai pris ce week-end il n'y en a déjà pratiquement plus. Un gros pépère. Bon allez, on va aller donner un coup de main à Greg pour poser ses premières plaques et après on va le prendre. Et de poser, c'était les plus simples. Deux placos, maintenant ça, on va attaquer la découpe. Alors je vais poser la dernière avec Greg, Loulou est réveillé. Et après bah, il n'y aura plus que les petites chutes à faire tout en haut. Voilà, hein, parce que les murs ils peuvent pas mettre 2,50 m, ça aurait été trop simple. Hein. Hein, on est à 2,60 m et des brouettes. Voilà. Donc une fois que ça sera fait, après ben ça sera l'enduit. Bon allez. Ah non, c'est 35. Celle-là, faut pas se tromper. Les découpes, c'est ce qu'il y a de pire. Si vous vous trompez. Non, allez go. On est parti. On laisse Greg avec ses découpes. Il va pester à mon avis. Il vaut mieux qu'on se sauve. Il y a toutes les découpes et tout à faire et tout là. Ça va être. Voilà, logiquement quand on rentrera, ça sera fini. Donc là on va au champ et puis Grand Frais. Puis ensuite on rentre, on a encore une fois un temps mais alors dégoûtant aujourd'hui, il fait 17 degrés, il n'arrête pas de pleuvoir. J'ai même été réclamer ma petite veste à Angel parce que je suis sortie comme ça et j'ai froid. Bon après mon gilet est très ajouré, hein, c'est du crochet. Mais franchement ouais, il caille. Bon allez, on y va. On est rentré. J'ai tout de suite mis mes pommes de terre dans le four pour qu'elles soient cuites à temps. J'ai fait une petite sauce pour les accompagner. Alors je mélange fromage frais, de la crème fraîche et je mets l'assaisonnement ranch dedans. Vous mélangez, vous rectifiez l'assaisonnement et ça vous fait une petite sauce parfaite pour accompagner les pommes de terre comme ça au four. Même pour les deluxe aussi, ça va très bien aussi. Une petite salade style campagnarde. Donc c'est un mélange de salade et j'ai pris un mix de... C'est du chou, du céleri,
Il y a des carottes dedans. Dessus, j'ai rajouté des petits lardons, des fromages, des croûtons. C'est les croûtons que j'achète chez Action. Là, c'est au paprika. Et puis, on a fait cuire des petits lardons. Greg a fini de plaquer. Là, il est juste en train de mettre la douille pour la lumière, pour lui avoir de la lumière demain matin. Il a voulu aller à Brico et Brico fermé. Hier j'ai regardé, il marque 19h30. Ouais. Il fermait au moment où il est arrivé. Donc du coup il voulait aller chercher l'enduit. Donc du coup moi, il va y aller demain matin. Mais ça y est, tout est plaqué. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Il n'y a plus que l'enduit à faire. Bon, l'enduit, il n'y a pas grand chose, donc ça devrait aller vite en fait. Hein. Après, c'est le temps de séchage à chaque fois parce qu'il faut attendre que ça sèche, poncer, remettre une couche jusqu'à ce que vous avez un résultat pratiquement nickel. Mais bon, comme nous, on va mettre du papier peint, il n'y a pas besoin que ça soit comme si. Oui, je sais, mais quand on met de la peinture, là, il faut vraiment que ça soit nickel, nickel, nickel. Mais là, voilà. Et il a vérifié, on arrive bien à ouvrir la porte. Et logiquement, avec la plainte, ça devrait aller beaucoup mieux. Elle devrait plus, parce que là la plinthe en fait se décollait tout le temps parce qu'on faisait une pression dessus. Le mur était pas droit quoi en fait. Je sais pas, en fait ils avaient rectifié, ils avaient mis tellement une grosse épaisseur qu'au niveau de la porte ils avaient fait un truc, enfin voilà, un renfoncement. Donc du coup la plinthe elle collait sur rien au bout. Et à chaque fois qu'on appuyait la porte, ça faisait une pression dessus et la plinthe se décollait. Donc là logiquement on devra plus avoir de soucis. Voilà, c'est une bonne chose de faite. Puis au moins on arrive à bien ouvrir la porte. Alors le seul truc c'est que la poignée cogne un petit peu sur le mur, mais ça on peut pas faire grand chose. Ou on va les voir parce que il existe des poignées comme on en a une ou dehors. En fait c'est des poignées plates et moins épaisses. C'est une comme ça là. Et ouais, à voir si on peut le mettre dessus. Mais je me demande hein, Greg, parce que c'est fait exprès en fait quand vous avez des persiennes qui sont proches pour pas être gêné par la poignée. Mais déjà celle-là elle est moins épaisse hein, chérie. Donc peut-être que, bon on verra, on ira voir. Mais la poignée est grosse en fait et du coup elle prend de l'espace. Si on en met une plus fine on va gagner aussi un tout petit peu. Bon allez, plus qu'à attendre que les pommes de terre cuisent. Il commence à faire un peu chaud dans la maison. On va passer à table, je vous montre du coup ce que ça donne le pain de viande. Hop, alors comme je vous ai dit, là on va le manger froid. Voilà, mais on peut très bien le manger chaud aussi. Il fait trop froid. J'ai pas l'impression qu'on est le 14 juillet, à part les feux d'artifice qu'on entend un peu partout et les coups de pétard. Mais là il caille. C'est horrible. C'est encore pire qu'il y a deux jours quoi. On est en train de chercher après la balle à Marley. Il l'a posée quelque part mais où? Tu lui as lancé mais tu sais plus où, c'est ça? Ta goule. Bon bah, et tu l'avais lancé où? Ah, j'ai froid. Ah non mais là pouf. La balade va pas durer longtemps, je pense. Bon, bah, je pense que on va devoir ratisser le terrain pour trouver après l'aval. Voilà. Bah, on a mangé. On a fait les petites routines. La loulou est partie faire dodo. J'espère qu'il trouvera plus facilement son sommeil que ce midi. Il y avait encore, je pense qu'il a les canines qui sont en train de le chagriner. Il y a les quatre dents devant là qui sont poussées et je pense qu'ensuite ça doit être les canines si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça le chagrine déjà. Parce que il est grognon puis il tire, enfin il met des trucs dans sa bouche, il tire, il mord tout. Ouais, je pense que les dents, hein, c'est casse-pied. Alors il fait pas de fièvre, rien du tout, mais je lui ai dit donner quand même du doliprane pour la douleur, quoi en fait. Ça peut le permettre de bien s'endormir. Après, elle donne des chamomilla aussi, des petits granulés. Ce qu'il y a, c'est que les granulés de chamomilla, il faudrait qu'elle les donne tout le temps, tout le temps. Parce que comme toute homéopathie, voilà, c'est des plantes, c'est sur le long terme qu'en fait ça fonctionne bien, mais c'est sur le long terme. Ah, bah, je pense qu'on a perdu une balle. Hein? J'ai déjà les pieds tout mouillés, moi. Alors que j'ai des baskets en cuir. Pourquoi il est chiant, chien? Oh. Ça, et puis il fait du vent. Ils sont où les petits grillons là? Ils sont partis se cacher.
Bon, allez, moi je vais vous laisser là pour ce soir. On est fatigué. Vite rentrer, je pense. C'est vite aller se coucher sous sa bonne couette là. Oh hein? Un gros dodo. Encore deux, chérie. Ça devient bon. Mais lui, il se couche. Il a trouvé un autre jeu. Il trouve un bâton. Enfin, c'est pas un bâton, c'est une bûche là. Ah, bah, c'est bon. Ah, mais non, là, il y a un bâton là. Bon, allez. Moi, je pense que je vais vous laisser là maintenant. J'ai trop froid. Je vous fais des bisous. Je vais aller m'emmitoufler dans le poste. Je vous dis à demain. Demain, Greg doit enduire. Moi, je ferai que j'aille jusqu'au grossi, je pense. Oui, il faut que j'aille à Grand Frais aussi, parce que du coup, j'ai pas été aujourd'hui. Donc, je verrai. Je verrai. Allez. Tu dois aller où? Ah oui, oui, tu dois à la Brico, ouais. Ah, parce que du coup, je vous ai dit, il était fermé quand il est arrivé. En fait, c'est pas qu'il était fermé aujourd'hui, il était ouvert. Mais quand il est arrivé, il fermait les grilles devant lui. Donc, il avait pu rentrer. Il lui fallait juste un seau d'enduit. Ce qui prend de l'enduit déjà préparé, comme ça, comme il n'y a pas grand chose. Ça lui permet de. Même s'il va encore en utiliser après en haut, au grenier. Mais voilà, au moins l'enduit en seau, en fait, il dit qu'il peut l'utiliser plusieurs fois. Et il gaspille moins en fait. Même si on achète ça un petit peu plus cher, il gaspille moins. Bon allez. Oh, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Envoyez-moi un petit peu de soleil si vous en avez trop chez vous. Mais je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Sauf dans le sud où il fait, je pense, un peu meilleur. Mais sud-sud, hein, je pense. Allez, on va croiser les doigts pour que logiquement, vendredi, ça devrait se remettre. Voilà. Croisons les doigts très fort. Et bisous à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?